Et salut à tous, voilà, nous sommes 1er janvier maintenant. Hier j'ai fêté Nouvel An. Et là je viens de quitter la guest house, il est 6h du soir. Je me dirige vers la station de métro la plus proche qui est Changnozi. Ouais, Changnozi, enfin je sais pas comment ça se dit. En fait là je prends un train pour aller, un train de nuit pour aller directement à Kota Ho. Donc en fait là voilà, je prends la station de métro, je m'arrête à la prochaine. Enfin non, c'est pas un métro, c'est un train en l'air, Sky Train ça s'appelle, je crois comme ça. Après du métro, je vais à la station de train et je l'ai à 19h30. J'arrive à 4h30, à 5h30, 5, ouais 5h30, quelque chose comme ça. J'ai un bateau, non j'ai un bus d'abord et après un bateau pour rejoindre Kota Ho. Donc j'en ai pour à peu près 40€, quelque chose comme ça. Et là, là-bas en fait, je vais passer le premier niveau de plongée pour plonger à 15 mètres. Bon après je sais pas, peut-être que je ferai encore le deuxième niveau pour plonger à 30 mètres. J'ai jamais pris un train de nuit. Mais bon c'est bien parce que ça me fait économiser en même temps une nuit, j'ai pas besoin de payer la guest house ou l'hôtel, tu vois. Voilà, donc je t'emmène avec moi. Ah le ciel est magnifique, ça fait tout rouge comme ça, rose, c'est super beau. Voilà, Changnozi, c'est la station de train, enfin de métro, enfin du Sky Train, je sais pas comment ça s'appelle, le BTS, voilà. Qui est juste à côté de la guest house, en fait c'est super pratique. Moi je suis là, Changnozi, et là S2, moi je vais à Saladang, tu vois, et là il y a M, ça veut dire métro, et après de là je vais à UA, l'enfant, et là en fait il y a la gare, prendre le train. Hello, do you have a money, please? Thank you. En fait, tu choisis le numéro sur l'écran, donc là moi c'est le SE16. Ouais. Hop. Ah c'est cool, je prends un coup le train au-dessus de la ville, après je prends le métro en dessous de la ville, après je prends le train normal, après j'arrive, je prends un petit bus, après je prends le bateau, et après c'est tout, après j'arrive. Bon, c'est déjà pas mal, tu vois. Mais j'adore, tu vois, tous les petits modes de transport comme ça, différents. Voilà. Il y a personne. Non, en fait t'es directement dans la station de train, en fait tu sors directement à la station. À départ. Je sais pas comment ça se passe. Bon, ça fait vraiment la vieille gare, tu vois, c'est vraiment cool quoi. Voilà celui-là, numéro 9. En fait je croyais que c'était pour le car, pour le transit quand j'arrive là-bas, mais en fait c'est pour le train et je suis assis à la place numéro 23. C'est les sièges qui se transforment en lit. Et donc là il est en train de faire tous les lits. Donc là j'ai mangé tout à l'heure et là maintenant je vais me coucher tranquille et tout. Enfin, c'est trop bien. C'est super calme, en plus on a la clim et tout. Enfin, c'est le top. We'll be right back.
Bon voilà, je viens d'arriver à la guest house. Il est 11h. Je dois attendre jusqu'à 13h pour avoir la chambre. Bah là, je vais aller manger en ville. Enfin, en ville, dans le petit village. Je pense que je vais peut-être réserver un scooter pour me balader un peu, quelques jours, 3-4 jours. Et après seulement, j'irai m'inscrire pour passer le diplôme de plongée. Et voilà, maintenant je suis dans le dortoir. J'ai fini de manger il y a à peu près une demi-heure. Donc je suis super content parce que pour finir, je peux dormir 3 nuits, c'est ok. Enfin, je pensais pas que ça irait parce que sur Booking c'était complet. Donc pour finir 3 nuits, c'est bon. Donc là, je suis tranquille ici. Je paye 8,50€, quelque chose comme ça. C'est pour ça que j'étais content de pouvoir rester parce que c'était pas cher. Ça va beaucoup mieux aussi parce qu'avec le bateau tout à l'heure, j'étais vraiment déglingué. J'ai même pas dormi de la nuit en fait, quasiment. Là, il est 14h. Je vais aller louer le scoot. On va faire un petit tour. Et puis je pense que je m'arrêterai là. Voilà, donc c'est parti et bah ouais, bah c'est parti, voilà. Hey. Tadam. Alors, je suis bien. Voilà, bon, c'est parti, on va essayer de filmer un peu comme ça et on va voir si c'est beau. Bon allez, c'est parti pour faire décoller le drone.